Si nous voulons sortir de la matrice avant qu'elle nous sorte ou qu'elle nous digère, nous ferions bien d'écouter cette histoire, pas si folle. Ça commence comme un conte étrange. C'est le récit en trompe-l'œil d'un sorcier qui conduit son âne et sa jument au grand marché des dupes. Place de la matrice, entre les étals, les marchands trottinent les six petits du bourricot et de la pouliche. Soyez vigilants quand je raconte, ne vous fiez pas aux apparences. L'ensorceleur a collé des bois d'élan sur la tête des six petits mulets. Alors soyez attentifs. La matrice est faite d'images, de mots tordus. Elle nous prend pour des ânes. Voyez-vous, les bois ne font pas l'élan. Pas plus qu'une ville comme Rennes ne désignera une cité de caribous, hein, ou la commune de Dun-sur-Oron, un ruminant posé sur une rivière. Les six petits du bourricot et de la jument, en question, sont des faussaires, simulant simules, qui se dissimulent enfants. Et quand je dis enfants, entendez les petits de la biche, vous me suivez? Ces simules, ou simulets, nous sont vendus comme soi-disant féconds. C'est-à-dire aptes à l'élan. Alors qu'enfants d'âne et de jument, ils sont stériles. Ce sont des fanfarons, des cerfs vidés de leur sens. Le sorcier a caché sous leurs sabots quatre paires de mules, comme dans un tableau de Cézanne. Et ces ânes ne font pas simule, même chez les impressionnistes. Si on y prend garde, on distinguera les bois qui cachent la forêt. Dans sa fausse réalité, l'illusionniste tire les mulets par l'hybride, comme s'il parodiait une histoire d'Alphonse Baudet. « Oh, qu'elle était belle, la petite chèvre de Monsieur Séguin. Il nous endort !» Il nous assène avec un pied de biche ses six mules, aussi bêtes que le sont 24 pantoufles. Il a trafiqué ses images sur Photoshop pour faire des émules, pour nous faire bicher avec dédain, pour simuler, et juste pour simuler, pour nous présenter des cerfs, comme ça, après le fromage, en troupeau, plutôt hard pour des cerfs. Il vend ses chimères pour des chevreaux. Il y a de quoi devenir chèvre. Ben voilà, nous sommes malmenés, bernés, nos facultés sont en berne. Si je vous fais tourner un peu comme ça, comme un Colin Maillard avec mes animaux, si je vous affole, c'est pour vous aider à déjouer les malices et les choses trappes de la matrice. Que l'un d'entre nous se fasse une image du mulet en poisson. Ben la matrice frétille, pour peu qu'on soit un peu dur d'oreille. Et qu'au lieu de mulet, on ait entendu mulot, on ne voit pas la même chose si le mu est plongé dans le lait ou s'il se baigne dans l'eau. On ne sait plus qui est qui. On a trop chargé la mule. On chevauche sottement l'irréalité. Le sorcier fait aboyer ses canassons et nous nous émerveillons, croyant entendre japper de petits chevreuils. Le marché de dupes ne se tient pas pour rien sur la place de la matrice. Nous croyons entendre les ânes bramer alors qu'ils braient. Pour peu, l'illusionniste nous ferait prendre des pattes de centaure pour des bras d'hommes, et s'ils sont des Indiens anglophones, pour des brahmanes. Et j'entends par là, bien sûr, des hommes qui brament comme des ânes, et pas des intouchables qui touchent en silence le ciel. Heureusement, il y en a un parmi nous, Nemo parmi les mots, capitaine des mots, Nemo, Néo pour les intimes.
l'élu, qu'il n'est pas l'âne Anas, ni un prisonnier de filet garni, ou un gigot de troupeau de moutons. Faites-vous vos propres images et sortez de ce film qu'on veut vous faire gober. Vous avez même droit au ralenti du héros au milieu du tohu-bohu, évitant les injections létales, les dragons de la honte finance déguisés en moineaux. Sortons donc de la matrice avec nos animaux. Au début, Néo sommeille. Mais c'est paradoxalement en se réveillant qu'il tombe dans les bras de Morpheus. On sonne à sa porte, il découvre une fille toute blanche à tête de mule. Mule venant du latin mulla, c'est un signe. Alors sans hésiter, Néo plonge dans le terrier du latin blanc pour rencontrer ceux qui sont sortis du monde virtuel, de la matrice, la fosse. Mère trans, pas vraiment humaniste. Il rencontre Trinity, sa future prof par meuf, dans sa trilogie Entre deux mondes. Mais il doit affronter l'agent Smith, tête de mule informatique et âne batté, bien bâti, sorti de la cuisse de la matrice, qui parle un anglais binaire à se flinguer et fait du Bill Gates multiplié par mille, à tour de bras, sortant de partout. C'est un vrai cauchemar! Il a toute la panoplie du flippé de la seringue, fait picouser d'ardarme Monsieur Anderson, c'est le nom matriciel de Néo, lui gommant carrément la bouche. Téléphone, maison. Bon, Trinity le sauve. Le voilà bientôt face au prophète Morpheus, un vrai latin, qui lui propose de sauter définitivement dans le terrier du même nom, avec un contrat très salé. Soit il avale l'histoire en trompe-l'œil du sorcier qui conduit son âne et sa jument au marché des dupes, avec ou sans élan, soit il choisit la pilule rouge. Et là, il voit les gros sabots des mules sous les pantoufles de l'illusion. Et s'il ne prend pas le mulet pour un orignal, il sortira du bois avec plein d'élan. Il doit rencontrer l'oracle, qui lui rappelle que le mot mule vient du latin mulla. Et elle lui présente le fou sage qui le sortira de là. Le maître des clés, le moulin Nasreddin Hodja, monté sur son âne, qui ouvre une porte qui donne sur un patio. Vous connaissez le moulin Nasreddin Hodja, le bouffon universel. Il est penché au-dessus du puits de l'illusion. La pleine lune s'y reflète et il plonge un seau pour la ramener. Il demande à Néo de l'aider. Et en tirant sur la corde, le fou sage et l'élu remontent un à un. Le sorcier, son âne, sa jument, ses mulets et ses 666 agents Smith très énervés. C'est la dernière bataille. La ville, machine qui se nourrit des fluides humains, commence à bouillir. La place de la Matrix est noire de sentinelles produites à la chaîne par l'intelligence artificielle. Néo se concentre avant de produire un élan vertigineux. C'est du kung-fu de haute voltige.
on surprend au ralenti la joue molle de l'agent Smith, décomposée qui fait des vagues sur le fond vert des mensonges télévisés. Eh bien, voilà toute l'histoire. Elle nous dit que nous devons être inventifs et huilés comme des sumos, humectés comme des savons qui échappent aux mains des laveurs de cerveau et des semeurs d'illusions et de peurs. Continuons de rire en flottant avec grâce sur le chaos. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi et vous aurez assommé la peur.